Dans la mythologie et le folklore inuit, Sedna fait partie des divinités les plus importantes et vénérées encore aujourd'hui. Sedna est la déesse de la mer et des créatures marines qui y résident. Aujourd'hui, nous allons explorer le mythe à l'origine de la déesse ainsi que son rapport étroit avec la culture et les traditions du peuple inuit. Dans les traditions inuites, Sedna est connue comme étant la mère créatrice de l'océan et de toutes les créatures qui y vivent. Mais ce qui fait d'elle l'une des divinités les plus importantes et vénérées par les Inuits, c'est qu'elle pouvait également contrôler la disponibilité et l'abondance de poissons, de phoques, de morses et de baleines, et de presque toutes les autres créatures marines que les Inuits chassaient ou pêchaient pour survivre. Par conséquent, ceux-ci pensaient qu'une partie de chasse ou de pêche était entièrement dépendante de la déesse, et c'est pour cela qu'elle était placée si haut dans leur culture. Il fallait espérer qu'elle ne soit pas de mauvaise humeur, car si c'était le cas, il était très possible de revenir de pêche ou de chasse bredouille. Comme la plupart des mythes et des légendes humaines, plusieurs versions différentes existent par rapport à l'origine exacte de Sedna. Mais en général, elles suivent toutes le même fil narratif et parviennent à la même conclusion. La version dont je vais vous faire part aujourd'hui fait partie des plus connues à son sujet. La légende commence avec une jeune femme inuite. Elle s'appelait Nulyayuk. Elle vivait dans l'Arctique avec sa mère et son père, un chasseur inuit très talentueux. Ils vivaient tous heureux et ne manquaient jamais de rien. Les talents de chasseur exceptionnels de son père faisaient en sorte que la famille avait toujours de la nourriture en abondance et plusieurs fourrures pour les garder au chaud dans le froid polaire. Nulyayuk aimait tant le confort dont elle bénéficiait qu'elle refusait de se marier, car cela voulait dire qu'elle devait quitter le domaine familial. Plusieurs hommes inuits étaient venus à sa rencontre pour la demander en mariage, mais elle les refusa tous, même lorsque ses parents insistaient qu'il était temps pour elle de se marier et de créer sa propre famille, elle refusa de suivre la tradition et choisit de ne pas leur obéir. Mais un jour, un nouveau prétendant vint à la rencontre de la jeune femme. C'était un grand chasseur inuit. L'homme lui promit que si elle devenait sa femme, il allait lui donner assez de nourriture pour qu'elle n'ait jamais faim et assez de fourrure pour qu'elle n'ait jamais froid. Pour la première fois, la jeune Inuit accepta, et était ravie du fait qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour son confort. Lorsqu'ils devinrent mariés femme, le chasseur la prit avec lui, et ensemble ils partirent vers son île pour y habiter. Ce n'est qu'une fois arrivé sur l'île, que le chasseur révéla sa véritable identité. Il enleva son accoutrement d'homme, et se dressa devant elle sous sa véritable forme, un homme-oiseau. Le choc initial de la jeune femme en voyant l'homme-oiseau se changea progressivement en colère. Elle ne pouvait croire qu'elle avait été dupée aussi facilement. Mais au final, elle ne pouvait rien y faire et par conséquent, elle n'avait pas d'autre choix que de s'y habituer. Après tout, elle était prisonnière de l'île et ne pouvait y échapper toute seule. Ce qui rendait la situation encore pire pour Nulyayuk, c'était le fait que l'homme-oiseau n'était pas du tout habile à la chasse et ne pouvait ramener que du poisson à tous les jours, ce qui rendait la jeune femme misérable et triste. Ils vécurent ainsi un bout de temps jusqu'au jour où le père de Nulyayuk décida de prendre son kayak et de venir lui rendre visite. Lorsque celui-ci arriva sur l'île et qu'il vit à quel point sa fille était malheureuse dans la vie qu'elle menait, mais qu'en plus de cela elle avait été dupée par son mari, il tua l'homme-oiseau sous le coup de la colère et ramena sa fille avec lui dans le kayak pour retourner chez eux. Au même moment, les confrères de l'homme-oiseau des environs avaient découvert que l'un d'eux avait été tué et voulaient à tout prix le venger. Pour ce faire, ils s'envolèrent au-dessus du père et de la fille qui étaient encore sur le kayak et battèrent leurs ailes si vite et avec tant de force qu'ils créèrent une tempête qui souleva les vagues tout autour de l'embarcation. Le kayak était balancé dans tous les sens et faillit chavirer à plusieurs reprises, et le père, apeuré à l'idée de tomber dans l'eau glacée et de se noyer, décida alors de jeter sa propre fille par-dessus bord, pensant qu'en faisant cela, les hommes-oiseaux allaient s'en prendre à elle plutôt qu'au bateau. Malheureusement pour lui, le battement d'ailes ne cessa jamais. De son côté, Nulyayuk s'agrippa de tout son être au bord du kayak, affolée à l'idée de sombrer dans l'eau. Mais en faisant cela, elle menaçait une fois de plus de faire chavirer le kayak. Alors, son père décida de lui couper les doigts un par un pour la faire lâcher prise. La légende raconte que de chaque doigt coupé ainsi, une créature marine différente était née. Lorsque Nulyayuk coula vers les profondeurs, son esprit se transforma et elle devint Sedna, la déesse de la mer et des animaux aquatiques. Elle en fit son domaine, qu'elle garde jalousement. Son apparence changea également. On dit que depuis sa transformation, la partie inférieure de son corps serait semblable à une queue de poisson, tout comme une sirène. Aujourd'hui encore, Sedna fait partie des traditions et de la culture inuite. On raconte que si cela fait des jours ou même des semaines que les chasseurs inuits ne rapportaient pas grand-chose de leur partie de chasse, cela voulait dire que Sedna était mécontente.
Lorsque c'est le cas, on fait alors appel au chaman du village qui, lui, entre dans une transe pour communiquer avec la déesse et lui demander de faire en sorte que les animaux sous son contrôle se mettent à la disposition des chasseurs. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ce sera très apprécié. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, vous pouvez également vous abonner pour encore plus d'histoires de ce genre venant des quatre coins du globe. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.